Chers amis, la petite cuillère pour le goûter d'Afayomi du jour. On est dans la sixième page du traité Brachot. Et la page dans la majorité, elle nous parle de la grandeur et la force de la prière. Bon, chacun de nous le sait, on a même déjà parlé hier dans les 3 minutes du matin. La prière, ça peut être des épées, effet tout de suite, ça peut être des flèches, ça tombe un jour. Mais pour avoir les meilleures conditions pour que notre demande et notre prière va passer, la Gemara détaille, 1, il vaut mieux d'aller à la synagogue. 2, il vaut mieux d'être à Minyan. 3, il vaut mieux de se fixer, que ce sera dans la synagogue ou dans le cas où tu n'as pas pu aller, tu pries à la maison, dans le même endroit pour prier. Quel est l'avantage d'être à la synagogue et de faire passer la prière en public? Alors, une métaphore personnelle peut-être. Hein. En Israël, depuis 2 mois, il y a une nouvelle loi. Il y a une ligne, ça s'appelle plus de chacun dans la voiture. Qu'il n'est pas seul, il a minimum 2 autres personnes, il a une ligne spéciale. Mais il y a encore une ligne réservée qu'au bus. Je crois que partout dans le monde, quand c'est beaucoup de monde ensemble, ils ont un accès, ou même quand les autres c'est bouché, toi tu arrives plus vite. C'est vrai, quand on est seul, notre prière, elle peut être des fois, je ne vais pas dire bloquée. Hein. Il y a une histoire du Baal Shem Tov qui est entré dans une synagogue, il a dit je ne peux pas rentrer, la synagogue elle est débordée de prières. Alors ils ont dit, eh ben, c'est bien. Il a dit non, justement, ça veut dire que les prières, ils n'ont pas passé le plafond. Moi, je préfère que les prières, ils montent directement. Mais comme on a un passé et on a des péchés, cela, il peut nous attraper, les accusateurs. C'est comme les policiers qui sont avec les lasers et ils essayent de nous attraper sur accès de vitesse ou des autres choses qui nous manquent dans la voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Tant qu'on prend le bus, même si tu n'as pas le permis, tu n'as pas rien, ça passe. Tfilat Rabim, elle dit la Gemara, qu'on est à la synagogue. Même si on a un, il a fait ça comme péché, mais l'autre, il n'a pas fait le même péché. Donc dans l'ensemble, dans la totalité, la prière, elle passe avec le mérite de tout le monde. Mais je pense qu'on doit rajouter quand même une petite touche chassidique, si vous voulez. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que même si tu es seul, en public, des fois, les policiers, hein, on va dire les flics, ils connaissent ton chemin parce que tous les jours, tu fais la même chose. Tous les jours, le même texte. Comme s'ils vont nous attendre. Dieu, voilà, il va prier là à 18h et tu vas voir, il va dire la même chose. Baruch atah. Alors pour pas être toujours la même chose, il faut rajouter un petit peu, changer un peu le chemin. Et aujourd'hui, comme on sait très bien, on va terminer avec le petit Waze. C'est pas pour rien qu'il a été vendu plus qu'1 milliard de dollars parce que le Waze nous apprend un très grand message, chers amis. D'abord, il y a toujours un autre chemin. Jamais il va te dire que tu es dans l'erreur. Peu importe où tu es, tu vas arriver à l'adresse. Et ce qui est très beau, chers amis, pour arriver bien où il faut être toujours localisé, connaître notre place. Et notre place pour avoir des bonnes prières, à partir d'aujourd'hui, on essaye à la synagogue, on essaye avec Minyan, ou on essaye dans l'endroit fixe. Et comme ça, les prières vont arriver plus vite, sans Bezrat Hashem avoir ni accès de vitesse, et ni des autres péchés qui vont empêcher la prière. Bonne journée.